Bonsoir à toutes et à tous. Je viens ce soir partager avec vous mes achats chez Action, de chez Action, Centracor et Max Plus. Voilà, donc je commence avec cette boîte, donc mes achats de chez Action. Donc avec cette boîte à mouchoirs que j'ai payé dans les 3 euros à peu près, un peu moins, 2,90 euros, un truc comme ça. Que je vais bien sûr customiser à mon goût et l'offrir sûrement à une personne qui en avait déjà une chez moi et qui en voulait une. Donc voilà, je suis sûre qu'elle ne verra pas cette vidéo, c'est pourquoi je vous en dis un peu plus. Voilà. Ensuite, je me suis acheté la Circle Cutter. Le circle cutter, donc j'ai vu des vidéos donc dans des scropines parler de ce circle cutter, donc il y en a qui en sont très contentes et d'autres pas, donc moi je fais partie de celles qui aiment expérimenter, donc je me le suis acheté, on verra bien ce que ça va donner, je vous en dirai un peu plus la prochaine fois quand je l'aurai utilisé surtout. Voilà. Et ça coûtait dans les 2 euros, je pense même pas. Ensuite, j'ai acheté ce petit ciseau. Donc, c'est des ciseaux que j'achète souvent. Donc, que j'achète et que je rachète. C'est des ciseaux que j'utilise assez souvent, qui fonctionnent super bien. Et donc, ben, j'en rachète à chaque fois parce qu'on me les pique. Ensuite, je me suis trouvé ces die cuts. Donc, c'est des die cuts Halloween. Les couleurs sont super jolies. Ensuite, donc ça me vu les ce qu'ont fait les filles Marie et Charlène, ça m'a donné envie et tout ce qu'elles ont reçu, ça m'a donné envie et une idée de faire quelque chose avec. Voilà, quand je les ai trouvées, j'étais contente. Voilà, et c'est au rayon papier cadeau. Et ça coûte dans les 1 euro, je pense, 99 centimes. Enfin, je ne me rappelle plus, je ne veux pas vous dire de bêtises. Ensuite, je me suis trouvé ces papiers, je pense, on dirait de la mousse. Donc, c'est des feuilles de mousse. Oui, d'ailleurs, c'est des feuilles de mousse, il y en a 8. Et les couleurs, c'est surtout les couleurs qui m'ont interpellée, j'adore. Voilà, ce rose, voilà, il y a des jolies couleurs. Alors, ce bleu magnifique, je l'ouvre, voilà, ce bleu, il y en a, je pense, deux de chaque, un bleu plus clair, vous voyez, un foncé et un plus clair, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais je vous promets que c'est un bleu ciel et un bleu plus foncé, plus soutenu. Après, il y a un rose comme ceci. Un violet, on dirait. Enfin, moi, je dirais un violet. Un bleu très, très foncé. Un arc-en-ciel. Un autre arc-en-ciel. Et un rose. Très soutenu. Voilà, donc il y en a 8. Et je ne les ai pas payés très cher. Ça coûtait 2 fois rien aussi. De toute façon, vous savez que chez Action, voilà. Et sûrement que je vais m'en servir pour faire des découpes. Ensuite, je me suis trouvé ces feuilles de tissu autocollantes. Donc aussi, les couleurs, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Entre autres, ce petit rose, ce rose-là aussi, le vert est très sympa. Et de l'autre côté, bon, ben, c'est les dessins qui changent, mais les couleurs, c'est les mêmes. Voilà. Là aussi, ça coûte moins de 1 euro. Ensuite, je me suis trouvée au rayon Noël. Donc, c'est die cut. C'est blocs de die cut que j'ai trouvé trop mimi. Voilà. Et donc, j'en ai pris. Je vais vous montrer. J'ai pris celui-là. Et donc, voilà tout ce qu'il y a là-dessus. Je vous laisse regarder. Moi, j'aime beaucoup. Les couleurs sont super sympas. Puis les petits chiens, le pingouin, voilà, le renard.
Voilà, c'est tout juste mignon. Et donc dedans, il y en a pas mal quand même. Il y en a 4 de 10 par 15 cm, 4 voilà, en long, enfin en hauteur, après il y en a en largeur, et après il y en a de 13 par 13. Enfin, les feuilles, fait à chaque fois, c'est en fait, c'est pour faire des cartes, mais moi je les utiliserai pour faire autre chose. Voyez, c'est très joli. J'adore, même si j'ai peur des souris et des rats, j'en ai horreur. Mais là, comme c'est fait, c'est trop mimi. Les cloches, les nœuds, pas les nœuds. Voilà le chien, juste magnifique. Voilà, je pense que vous les connaissez. Bon, je vous ai montré un petit peu. Ensuite, donc j'en ai pris qu'un. J'ai trouvé celui-là aussi. Et là, c'est pareil. Je vous montre un peu. Pardon. C'est tout qui se... Pardon. Voilà. Si je saute déjà une page. Voilà, la lettre, ça, moi, j'adore. Le cerf, enfin, oui. On peut faire des cartes, mais moi, sincèrement, c'est pas forcément pour faire des cartes, mais pourquoi pas. J'adore. Fa la 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 la, fa la 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 la. Voilà, Happy Holidays, ça se détache à part. Là encore, ça aussi j'adore. Voilà, vous voyez, c'est des, ça peut être pour n'importe quelle occasion, parce que voilà, ça veut tout juste dire, voilà, ça veut pas forcément dire joyeux Noël ou bonne année, ça veut dire qu'on te souhaite beaucoup de may your days be merry bright. Enfin bon. Voilà. Ça c'est très doux, j'adore. Bon, je passe vite parce que je m'éternise. Et je pense que... Voilà, que vous les connaissez déjà. Et voilà. Donc ça. Et là, j'en ai pris deux. Un pour moi et un pour offrir. Voilà. Ensuite, enfin, j'ai trouvé les magnétiques. Enfin, le papier magnétique. Donc, qui était presque en rupture depuis un petit moment. Ou alors, à chaque fois, il en restait qu'un en rayon. C'était pris d'assaut à chaque fois. Et là, j'en ai pris un stock. Je vous dis pas le nombre que j'ai pris parce que vous allez avoir peur. Mais je me suis vengée. Voilà. Ensuite, j'ai pris des canevas. Enfin, c'est des... Moi, je les appelle canevas, mais c'est des toiles de peinture. Voilà. Donc, le paquet, il est 1,50€, un truc comme ça. Il y en a 3. Et vu ce que je fais, moi de toute façon, même je les trouve de belle qualité parce que à chaque fois que j'ai fait des choses dessus, ça a tenu et ça tient toujours. Ensuite, je me suis pris de la neige artificielle parce que j'ai dans l'idée de faire des petites choses à offrir et tout ça. Ou avec les enfants aussi, pourquoi pas. Des travaux manuels. Donc... j'ai pris ça et ça coûtait peut-être même pas 1€. Même pas. J'ai trouvé des petites pinces multicolores, brillantes. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Des petits sujets en bois. Du cerf, des étoiles, le Père Noël. Des cerfs détachés. Voilà. Et ça, j'en avais déjà, moi.
Et celui-là, c'est pour offrir. Ensuite, ça, j'étais vraiment super contente d'en avoir trouvé parce que ça coûtait 99 centimes, je pense, même pas. Et vraiment, c'est génial parce que ça, moi, j'en utilise beaucoup. Enfin, je m'en sers beaucoup. Quand, et j'en ai des argentés. Et voilà. Et des fois, donc, quand je m'en sers et que je veux faire autre chose, il faut que j'attende que ça tienne sur le... Voilà, de les récupérer. Donc, du coup, ben, je me suis acheté cela. Il y a des noirs. Et des dorés. Hop. Et là aussi, ça coûtait pas cher. Enfin, ben, je vous l'ai dit, je pense que ça coûtait 99 centimes, un truc comme ça. Même pas. Voilà pour Action. Oui, c'est tout. Ensuite, en rentrant, je me suis arrêtée à Centracor. Et là, par contre, j'ai qu'un truc à vous montrer. Mais vraiment, j'ai adoré. Parce qu'à chaque fois que j'en voulais, j'en trouvais pas. C'est de la toile de jute. Et donc, c'est un rouleau au rayon déco de table et tout ça. Donc, c'est un chemin de table. Mais bon, moi, je ne vais pas l'utiliser en chemin de table. Vous vous doutez bien. Donc, il y a 28 cm par 5 mètres. Donc, il fait 28 cm de large sur 5 mètres. Et je ne vous en dis pas plus. Je partagerai avec vous ce que je vais en faire. Voilà, et ça coûtait pas cher, ça coûtait 7,99 €. Voilà, et avant de rentrer chez moi, bien sûr, comme si ça suffisait pas, je me suis arrêtée à Max Plus. Et là, j'ai bien fait de m'arrêter parce que j'ai trouvé pas mal de choses. Il y avait des tampons, il y avait pas mal de choses de scrap, entre autres les tampons, les die cuts, les masques, il y avait quoi d'autre? Il y avait des encres, mais bon, moi tout ça, j'ai pas pris. En revanche, j'ai trouvé ceci. C'est un petit carnet, ça coûte 75 centimes. Et comme j'aime toujours avoir des trucs à la maison pour offrir en cas que je reçois des petits, ou enfin, on sait jamais aussi où on est invité à la dernière minute, d'avoir toujours quelque chose à offrir, surtout pour les tout-petits. Donc, j'ai trouvé ça. J'adore. C'est tout mimi, donc à 75 centimes. Sincèrement, je ne me suis pas ruinée. Ensuite, je me suis trouvé des cartes de Project Life de chez Toga. Et donc, le paquet, il coûtait 1,59 €. Alors, je vous dis, sincèrement, je ne me suis pas privée. Vous voyez tout ce qu'il y a dedans? Il y a des petites, il y a des grandes. Et elles sont super jolies. Bien entendu, j'ai pris deux paquets à ce prix-là. Et voilà tout ce qu'il y a dedans. Donc, ils disent qu'il y a trois. Il y en a trois comme ça. Voilà. Après, il y en a plusieurs de plusieurs sortes. Enfin, bon. Je pense. Voilà. Et en tout cas, voilà tout ce qu'il y a dedans. Je vais essayer de vous en ouvrir pour vous montrer. Voyez, donc là, chaque fois, je pense qu'il y en a deux de chaque. Voilà, elles sont de très belle qualité. Là aussi, il y en a deux. Là, voilà. On peut les utiliser pour autre chose que du Project Life. Hein. So happy, memories, so happy, big smile, partager le moment, voilà, clic clac, il y en a deux aussi, hop, keep calm and take photos, deux comme ceci, deux comme ceci. Deux
comme ceci. Et deux comme ceci. Vous voyez, déjà, il y en a pas mal. Hein. Et ça recommence, je pense. Non, les autres, c'est pas les mêmes. Je les rangerai après. Je vais vous montrer les autres. Excusez-moi pour le bruit. Je n'ai pas pensé à les ouvrir avant. Je ne me suis pas posé la question. Voilà. Donc, deux comme ceci. Regardez. Avec les... truc de photo, je me rappelle même plus comment on appelle, ça me reviendra, mais bien sûr ça sera trop tard, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris je pense. No flash, il y en a deux. Oh, comment elle est magnifique celle là voilà, say cheese, deux comme ceci. Et elles sont épaisses, hein. Avec des cœurs, deux comme ceci, avec la flèche qui claque, le bruit de la photo, deux comme ceci. Ah, mais de l'autre côté, en plus, il y a des... à chaque fois, il y a... Oh là là, oui, d'accord. Bon, mais désolé, hein, je vous ai pas montré les autres côtés. En tout cas... je suis super contente. Je suis très contente. Ah ben en fait, je pense que c'est les mêmes. C'est juste que... parce que vous voyez, celle-ci... vous voyez, on dirait qu'on l'avait déjà là. Voilà. Voilà, donc c'est... hop. Et ensuite, les grandes. Et les grandes. Voilà. Et là aussi, je pense qu'il y a de chaque côté. Elles sont belles. Au prix où c'était. Parce que ça, vraiment, si on les avait achetées vraiment dans un magasin spécialisé loisirs créatifs, je les aurais payées bonbon, quoi. Voilà, comme c'est magnifique. Clic-clac. Voilà, celle-là aussi, photo boot, moment, zoom, exposition, recadré, voilà, de ce côté, magie de l'instant, on a encore des photos, clic-clac, les appareils photo, de ce côté, et celle-ci, ma dernière, pardon. Voilà, je fais vite parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et ensuite, là, je me suis aussi éclatée. C'est en fait, j'ai trouvé des crayons. Et ma fille, elle fait la collection des crayons et des stylos, surtout les crayons. Et donc, j'ai trouvé cela. D'ailleurs, j'en ai pris en double à chaque fois. Comme ça, j'en ai aussi pour offrir. Et regardez, 50 centimes. Et ça, en général, ça coûte très, très cher parce que j'ai l'habitude d'en acheter. Donc, j'en ai pris même 3 de celui-là. Un comme, comme ceci. Un comme ceci. Ensuite, des gommes. C'est toute une gomme en fait. Regardez. Comme le petit carnet que j'ai acheté. Et là aussi, 50 centimes. Regardez. C'est tout mimi. Et, et là, j'en ai pris deux, bien sûr. Deux gommes comme ça et deux gommes comme ça. Oh là là, que c'est mimi avec les cœurs et tout. Vous voyez? Hop.
les petites tortues. Voilà. Et là, j'en ai pris deux aussi. Et ensuite, il y avait des arrivages de jouets. Je vous dis pas tout ce qu'il y avait. Alors bon, moi, je me suis aussi pris quelques trucs à avoir à la, pour en avoir. Parce que j'aime toujours, comme je vous ai dit, en avoir à la maison. C'est jamais. Donc, ben, avant ça, je vais vous montrer un dernier truc scrap. Donc, c'est les œillets ronds. Voilà, j'en ai pris deux paquets. À 50 centimes aussi, je me suis pas ruinée. Donc, j'ai pris deux paquets. Voilà. Et donc, en faisant le tour des jouets, tout ça, en regardant un peu pour trouver des petites bricoles que je pourrais avoir à la maison et tout ça. Donc, j'ai pris ça, entre autres, à partir de 6 ans. Donc, 6 ans et plus. Et c'est Dino... Oh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, Apatosaurus Skeleton. Donc, c'est en fait, c'est j'en avais déjà acheté moi à un magasin de jouets, à Jouet Club, un truc comme ça. Et en fait, ça coûte très très cher pour ce que c'est. Après, les enfants ils se régalent quand ils aiment ça. Et donc, ça, je l'ai acheté. Je sais à qui je vais le donner, à qui je vais l'offrir tout de suite, hein. Je ne vais pas attendre Noël, hein. C'est pour maintenant, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc il va me tarder de lui donner. Et donc c'est en fait c'est du sable où on a enterré des os, et donc il faudra qu'il creuse avec du matériel, il y a tout ce qu'il faut dedans. Vous voyez, ils expliquent ici tout ce qu'il y a dedans. Donc il faudra qu'il creuse, qu'il cherche, et quand il aura trouvé tous les os, il faudra qu'il les assemble pour former le dinosaurus, l'apatosaurus. Voilà, et ça, je l'ai payé, regardez, 4 euros, même pas, 3,99 €. Alors, est-ce qu'il va faire le focus? Bon. 3,99 €. Et ensuite, j'ai trouvé ceci. Voilà. Et ça, je connais déjà, mais en plus grand. Donc, c'est des feutres avec donc une plateforme, avec des dessins ou avec des masques qu'on met sur des feuilles. Et ensuite, on souffle dans le feutre et ça nous fait tout un... D'ailleurs, il l'explique ici. Voilà la petite fille qui fait ça. Et ça, en général, les enfants, à partir de 4 ans, même 3 ans et demi, ils adorent faire ça. Il faut juste rester à côté parce que bon, on ne sait jamais, pour leur montrer qu'il faut pas qu'ils... il faut qu'ils soufflent plutôt, voilà. Et donc, c'est de la marque Lancée, c'est du Block Pens. Et ça aussi, ça coûte très très cher, enfin ça coûte cher pour ce qu'il y a dedans parce que c'est un carton et des masques, voilà. Et là, je l'ai payé 1,99 €. Bien sûr, j'en ai pris deux pour changer, voilà, le deuxième, donc j'en ai pris deux. Et comme ça, j'ai de quoi offrir tout de suite quand j'ai... Quand j'ai du monde ou quand on va chez quelqu'un, voilà. Au moins, je les ai et je sais que si j'ai un petit ou quoi qui vient à la maison, j'ai de quoi. Voilà, donc j'ai partagé un peu avec vous ce que j'ai acheté. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue pour vous. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a montré... que j'ai pu vous aussi vous donner des idées de cadeaux peut-être pour Noël, pourquoi pas, pour les anniversaires, oui voilà pourquoi pas, parce que bon, on sait que pour les anniversaires on est toujours, on sait toujours pas quoi acheter, ni... voilà, et à la dernière minute, bon, aller courir dans les magasins ça coûte cher, ou alors on trouve n'importe quoi, donc là voilà, moi je sais que je fais souvent comme ça, j'ai toujours de quoi dans mes placards. Et souvent, je fais, et par rapport à quand je vais faire les magasins, mais je me lâche. J'espère
que ma vidéo n'a pas été trop longue, je me répète bien sûr, que vous passez une bonne soirée et que, ben voilà, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous, bisous.